Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Age of Nowhere. Allez, on va essayer de lancer encore un peu. Elle savait que c'était ici le lieu d'origine de l'espèce. Et Edwards devait le savoir aussi. Mais il a refusé d'y croire. Ben ouais. Il le savait. On avait déjà vu ça la dernière fois. 14 décembre 1932. La cité. La cité. Ça m'a permis de faire d'autres découvertes et mes soupçons ont été confirmés. Les créatures que nous avons vues ressemblent aux spécimens trouvés par Edwards. Elles sont féroces, mais à mon avis, elles ont un rôle à jouer. Je pense qu'elles sont ce que le texte appelle les bâtisseurs. Leur existence semble n'avoir qu'un seul et unique but, construire ce lieu. Et à leurs yeux, les visiteurs ne sont clairement pas les bienvenus. Pourquoi construire quelque chose d'aussi colossal? Ça n'a aucun sens. Ah ben, vu la bête qu'il y avait avant, si. Hein. L'un dans l'autre, ils sont tous énormes, c'est tout. On va faire attention quand même. Ça sert à rien, charme mon flingue, mais au final, pour l'instant, il n'y a rien. Un peu d'huile, par contre, ça, j'en avais besoin. Ça m'a fait du bien. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Qu'est-ce qu'on a par là? Hop, hop, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui. Bah, vu les bestioles, c'est déjà bien qu'il soit là, lui. Le pauvre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Compte tenu de ma déveine, j'imagine que ces spores sont empoisonnés. Ah, c'est évident. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, au moins pour l'instant. Ça a marché. Voilà les autres. Ah mais je croyais que c'était bon. Je devais arriver derrière lui. Hein. Entendu tout de suite. Oh c'est terrible. J'ai pris un. Je t'avais pas vu toi, juste à côté là. Ce petit truc refuse de mourir. Edwards a conduit son équipe dans un piège mortel. Tu m'étonnes. Je l'avais pas vu du tout. Décembre. J'ai découvert la raison de nos problèmes de radio. Il y a un putain de courant électrique qui parcourt la glace et empêche toute communication vers l'extérieur, même avec ma radio amplifiée. Et évidemment, qui est le bouc émissaire? McCleary, bien sûr, comme toujours. Désolé de ne pas avoir prévu qu'il pourrait nous arriver un truc impossible. Je ne sais pas ce qu'on fait encore ici. On pourrait croire qu'après avoir vu Dickens se faire arracher la colonne vertébrale par cette horreur sur pattes, on aurait pris nos jambes à notre cou, mais ils sont tous obsédés par le fait d'atteindre le centre de cet endroit. Eh oui. Je suis peut-être un ivrogne, mais il n'y a plus que moi qui n'ai pas l'esprit embrumé ici. Oh, vous pouvez me croire, moi aussi je boirais bien un coup là. On va essayer d'avancer, mais évidemment. Sur nous, fuyons. Là, il y en a partout. Et vu comme il est chiant à déplacer, lui, c'est pas le moment de faire une mauvaise rencontre. Wow, wow, wow.
Partons-en tout de suite. Pas comme ça. Je descends. D'accord. J'ai vraiment failli y rester. C'est pas fini. Alors là, ça va être joyeux. Non, c'est bon. Je me suis trompé de mouton. Wow, wow, wow. Pas si vite. Ava. Plus vite nous montrerons qu'il n'y a rien ici, plus vite nous pourrons trouver les vraies preuves. Nous irons en Antarctique et... Nous y serions déjà si tu avais eu le courage de dire non à Edwards. Et une petite minute. J'ai quand même... Quoi? Pardon. Je n'aurais pas dû dire ça. C'est juste que j'ai besoin de ça. Et je n'y arriverai pas toute seule. T'es pas seule, Ava. Je vais aller lui parler. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Et j'ai peur pour toi, Ava. Et j'ai vraiment peur pour toi. C'est superbe. C'est vraiment très beau. Ces petits changements, là, comme ça. Une belle DR. Un grand jeu, mais c'est une belle petite DA. Ça change bien tout de même, même si on est quand même dans la glace à chaque fois. J'espère que ça tiendra. Mais il fait tout seul, c'est pas moi. Parce que moi j'aurais jamais été là-dedans. Ça doit bien conduire quelque part. Allez, tu te lances là. T'es bien courageux. Ouais. Allez, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est pas inquiet. C'était quoi ça? Waouh! Ah ouais! Ça, par contre, ils sont très doués pour ce genre de choses. Rajouter comme ça des gros monstres, des choses grandioses, c'est vraiment chouette. Ouais, le jeu est assez sympa. C'est dommage cette petite jouabilité, hein, un peu gâchée. Parce que sinon, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est grand... ouais, on voyait cette tête de requin la première fois, on l'a déjà vu. D'où vient toute cette chaleur? Elle doit être d'origine géothermique. Et puis où est-ce qu'on passe? Dans la tête du requin. Ah ouais, c'est très très cool. Hein. Les endroits sont bien différents. Les monstres aussi, mine de rien. Pour l'instant, il y en a pas 150. Mais...
On peut vous latter comme ça, vous. Donc on va essayer d'en profiter. Les gros, non, mais... Faut que je fasse attention, j'aime pas le faire fufu, j'aime pas le jeu de fufu. Mais... J'ai plus de balle, tant pis. Oh là là, tout ça va pas fort. Hein. Mon Dieu. Ouais. Ça va pas fort du tout, toi. Je passe par là, mais non. Mais... Pff, j'ai été bloqué par le truc. Je comptais pouvoir passer en courant, mais non. Ah, ça tombe bien. Heureusement que je joue en facile, par contre. Qu'ils avaient des fournitures médicales. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Génial. Quelques balles en plus, ça devrait servir. Ah oui, je dis pas non. Tu passes combien? 8. Wow, wow, ouais, bah, bah, des balles en plus, mais aussi des balles en plus. Un coup de fusil, t'as pas arrêté, toi? Il faudrait des balles, parce que là, ça tombe bien. Trousse de secours. J'entends bien des mômes, mais je sais pas où. Là-bas, oui, à toi. De passer par là, on va voir ce que ça donne. C'est un problème, j'ai une balle. J'ai eu chaud là. C'était un peu n'importe quoi.
monde, j'ai plus de balles. Je suis obligé de faire ça, hein. On dirait que je m'en suis sorti. Ouais. On va dire ça. Jusqu'à maintenant. Une sorte de... de gros squelette encore énorme, là. 18 décembre 1932. À ma grande surprise, j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Victor ce matin. Ah. Je prie pour qu'il survive aux abominations que nous avons croisées. Ce lieu change les gens. La plupart des membres de l'équipe souffrent désormais d'hallucinations. Ils n'arrêtent pas de parler de l'éveil de l'être suprême. Et bien que ce soit lui qui nous ait conduits jusqu'ici, Edwards veut repartir maintenant. L'état de sa jambe s'aggrave d'heure en heure, ce qui nous ralentit. En tout cas, moi, je ne rentrerai pas. Tout montre qu'il faut aller vers le centre. Hors de question de faire demi-tour. Je ne veux pas revivre ce qui s'est passé au Chili. Elle est forcément un peu plus loin. Mais il n'a pas tort, Edward, hein. Faut dégager. Et voilà. Jouabilité. Qu'est-ce qu'il y a ici? Wow, 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 wow. Arrête, va sur le côté. C'est fou, hein, qu'on soit obligé de se battre contre lui comme ça, juste pour pouvoir se déplacer. Je sais pas où on va, mais je sais pas, ça sent pas bon. Wow, wow, putain. Pardon. Ouais, c'est chouette, là. Il y a une très belle ambiance par contre, hein. C'est vrai que là-dessus le jeu assure bien. Dommage, c'est vraiment dommage cette petite jouabilité là. Et il prend bien les choses quand même. Parce que pour se retrouver là, quand même. On dirait le Chili. Il prend très bien les choses. Vous n'allez pas recommencer. C'est une chasse aux fantômes. Restez à votre place, mademoiselle Chang. Ma place n'est sûrement pas à vos côtés. C'est un... vous devriez réfléchir avant de vous passer la corde au cou avec... N'insistez pas, Edwards. Si vous vous arrogez le droit d'ignorer son travail, elle a le droit de remettre le vôtre en question. Partez devant. On vous rejoint. Ferme bien ta gueule, Edwards. Pardon, je suis mal poli, mais voilà. Après, c'est peut-être elle qui est dangereuse, hein, après tout. Génial. On aurait dû être botaniste. Si on l'était, ce voyage au Chili serait bien plus sensé. Chouleur. C'est là que je vais me faire attaquer, en fait. Ça va, reviens! Aidez-la! Là-bas! Quoi?
Et elle est où? Le voilà. Il faut absolument que tu vois ça. Tu le vois? Ah, il y a le... Il y a le tigre, là! Ouf! Mais ça, pas, non? N'aie pas peur. Bah si! Je t'attends. Il ment. Ne les laisse pas t'arrêter. Quoi? On est vraiment dans Cthulhu. Libère-moi. Ah, oh, c'est Arrêtez. Génial. Laissez-moi. Ouais. Sortez de ma tête. Attirez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là, c'est quoi ce truc hein? Seigneur. Edward, Edward, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipage, ils sont... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quoi? Je ne savais pas, Victor. C'est une grosse erreur. Tu m'étonnes. Maintenant, il faut sortir. Ah, fuyons, fuyons. Oh là 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 là. Ah non, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas avec cette jouabilité. Non. Je vois rien. Ah, ils sont là, ils montent. Ah, c'est terrible. Et je vais aller où? Oh là là, je vois même pas que ça se fait pas. Ouais, c'est juste là pour l'instant, d'accord. Et là-bas, je vois pas où aller. Je suppose que c'est tout droit. Ça démarre trop tôt. C'est dommage, hein. Ces trucs, hein. On remonte. C'est très très cool. C'est dommage par contre ces petits moments là de jouabilité gâchés, mais. On n'arrive pas à chasser ces images de mon esprit. Ah oui, tu m'étonnes. La manière dont les membres d'équipage sont morts. Créatures qu'on fait. Il y a quelque chose au centre de la cité. Quelque chose de puissant. Cette chose qu'elles appellent l'être suprême. Est-ce que c'est ça qui les contrôlait? Est-ce que je suis sous sa coupe, moi aussi? Les visions. Ava. Ont-elles juste pour but de m'attirer, tel un pantin dénué de volonté? Je ne crois pas. Mais comment être sûr que ces pensées sont bien-aimées? Ha 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 ha!
Ah, ça va pas fort. Ça va pas fort. Bon, j'espère qu'on entend bien les le son des petites séquences vidéo comme ça animées, parce que moi je l'entends peu. Et pourtant tout est à fond, hein. J'ai mis tout le son à fond. Bon bah écoutez, dans tous les cas, on va s'arrêter là, nous. Et je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dirai à bientôt. Je trouve qu'on a pas mal avancé, je suis encore un peu malade, je veux pas parler trop. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.